Je cède maintenant la parole à la députée de Richemont. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. En ce début du mois de novembre, j'invite mes collègues de l'Assemblée nationale à se joindre à moi pour souligner le mois du diabète. Diabète Québec estime à 760 000 le nombre de personnes vivant avec cette maladie, parce que le diabète est responsable d'environ 25 % des opérations chirurgicales, 40 % des cas d'insuffisance rénale et de 50 % des amputations d'origine non traumatique. Il importe d'y porter attention. Permettez-moi de remercier les organismes tels Diabète Québec et ses affiliations, dont Diabète Estrie, qui contribuent à la prévention de cette maladie par leur campagne d'information et de sensibilisation. Permettez-moi également de saluer des citoyens présents dans les tribunes aujourd'hui, dont certains de la circonscription que je représente, la circonscription de Richemont, des gens qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour cette cause qui leur tient à cœur. En terminant, j'invite toute la population à participer aux activités qui auront lieu durant ce mois de prévention afin que l'on puisse unir nos efforts. Merci. Merci, Mme la députée, de votre déclaration.